On se retrouve dans le Vlogmas numéro 9, il me semble. Donc, on est samedi. Vous n'avez pas eu de... Vous n'avez pas eu de Vlogmas ce matin parce que, tout simplement, hier, j'ai pas eu le temps d'en faire un. Du coup, tout à l'heure, je me suis pas maquillée exprès. Je vais vous faire un make-up blabla. Et je vais vous faire des anecdotes, vous savez, de Noël. Donc vous l'aurez aujourd'hui, samedi, 17h30 pour vous. Hier, 17h30. Voilà. C'est à chaque fois 6h du matin. Mais de temps en temps, tant pis, hein, ça sera un peu plus tard. Vraiment, hier, j'ai vraiment pas eu le temps. Et en plus, il y a plein de choses qui se rajoutent. Par rapport au travail, tout ça. Donc, on a été très, très occupés. Hier soir, j'ai fait ma réunion H2O. Je remercie parce qu'il y en a une d'entre vous qui a commandé via le lien. Je vous le remets, le lien, en barre d'infos. Si des produits H2O vous intéressent, vous avez jusqu'à mardi soir pour commander. En fait, il vous suffit par le lien de commander ce que vous voulez. Et ensuite, Tiphaine, donc la personne qui fait la réunion, qui présente les produits, vous renverra un mail ou un message SMS avec le lien pour payer, tout simplement. Moi, je vais recevoir vos produits et après, je vais vous les renvoyer et je vous rajouterai quelques petits cadeaux de ma part en plus. D'une, pour vous remercier de votre commande et de deux, pour vous remercier d'être aussi fidèle ici sur YouTube ainsi que sur Instagram. Donc voilà, là, je vais en ville. Ma maman est arrivée hier. Ma maman hier avait fait pratiquement tout mon repas après H2O. C'était un apéro dînatoire. On avait fait une grande planche avec du fromage, des petits burgers au saumon fumé, de la charcuterie, des petits toasts. On avait fait, voilà. Et en dessert, elle avait fait beaucoup de choses. Elle avait fait des petits sablés nature, des sablés chocolat. Des cupcakes citron, je vous montrerai tout ça parce qu'il en reste pas mal, hein. Des crèmes caramel beurre salé, du riz au lait et des petits financiers que nous on adore. Donc voilà, on a pris tout ça, on a mangé, il en reste beaucoup, mais on va manger tout ça tout le long du week-end, hein. Ce midi on va manger des pâtes bolo et ce soir on fait une tartiflette et j'ai invité mes beaux-parents pour qu'on organise notre repas de Noël, parce que cette année c'est chez nous, mais tous les ans tout le monde participe au repas, un tel emmène ça, un tel fait ça, un tel paye ça, donc on veut voir ce qu'on fait vraiment, ce qu'on achète vraiment, pour pas d'une qui est de doublon, pour pas qu'il y en ait trop, même s'il y en a toujours trop, mais voilà, comme ça je les ai invités à manger ce soir. Je vais faire une tartiflette, mes pommes de terre sont en train de cuire. Et donc là, je vais en ville parce que je vais ramener beaucoup de choses à une de mes copines. Le lit parapluie de mon titi. Je lui ai ramené des décos de Noël qu'elle avait besoin. Et j'ai retrouvé une hotte de Noël pour mettre les cadeaux de son petit dedans à Noël. Je me suis dit que j'allais lui donner. Et j'ai beaucoup, beaucoup de colis Vinted à envoyer. Je crois que j'en ai 11. Il reste encore pas mal de choses, hein, même de la grande taille encore. Il reste de la grande taille et de la taille enfant et petite taille. Il me reste du 14 ans et pas mal de 34-36 en jean. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc voilà pour cette petite matinée. Il est déjà 11h05. Le temps passe très vite. Tantôt avec ma mère, on va aller en ville. Elle a 2-3 cadeaux de Noël à faire. Que ce soit pour mon beau-père, je crois, pour Mathias. Moi, il faut que j'aille racheter des croquettes pour chiens et chats. Parce qu'à Leclerc, je ne trouve plus les croquettes des chats, spécial problème urinaire. Donc je crois qu'à Carrefour, ils en vendent. Donc je vais aller en acheter, je vais éternuer. Pardon. Et donc voilà, voilà le programme. La belle-sœur de ma copine a fait une réunion au Guy de Marle hier. Ma copine est très sympa, elle est venue à ma réunion. Du coup, je lui ai commandé un moule. Parce qu'à Noël, je vais m'occuper, je pense, principalement, moi, des desserts. Hier, aux courses, il y avait des promos de 2-3 petites choses avec une longue date. Du coup, on a acheté avec ma mère aussi. Donc,
comme ça pour Noël, pour l'apéro. On a acheté des petits œufs de caille, vous savez. C'est bon, ça, à l'apéritif. On a acheté des rillettes de thon, des rillettes de saumon. Voilà, on a acheté 2-3 petits trucs. C'était en promo, donc il faut profiter de quelques promos, surtout quand les dates sont longues. Donc voilà. Bref, moi, toujours ce petit bref. Hein. Je vous fais des bisous et je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée. Sainte-Mère l'église, j'ai filmé la vidéo que vous avez vue samedi après-midi, samedi soir. On a été racheter des croquettes pour les chiens, un sac de 15 kilos et un sac pour les chats. Mais les chats, j'ai changé de marque puisque moi, il faut que je prenne problème urinaire, mais pas stérilisé, même s'ils sont stérilisés. En fait, quand vous prenez un sac de croquettes pour chats stérilisés, c'est pour maintenir le poids. Et moi, ils n'ont pas besoin de maintenir le poids puisqu'ils sont déjà pas très gros, enfin surtout Ruby, dû à son problème de rein. Donc, j'ai pris pour système urinaire. D'habitude, je prends cette marque-là. Je la trouve plus du tout. Donc, je pense qu'on va commander sur Internet parce qu'on en a trouvé sur Internet. Donc, je vais les commander parce que le sac qu'on a acheté, là, c'est ceux-là. 30 euros les 3 kilos. Donc, c'est mort. Je ne vais pas mettre 30 euros dans 3 kilos. C'est pas possible. J'en ai trouvé à 90 euros les 20 kilos de celles qu'on prenait avant, en fait. Donc, je pense qu'on va faire une commande. J'ai reçu un colis. J'ai reçu plein de colis, mais c'est des colis que je ne peux pas vous montrer puisque c'est pour le swap. Donc vous inquiétez pas, les colis que j'ai reçus vont atterrir chez Alexa, donc vont atterrir sur YouTube. Donc vous verrez ce que je vais acheter. Mais moi, je me suis pris deux déodorants de ceux de chez Avril. J'aime toujours autant le déodorant de chez Wild, mais vraiment, celui de chez Avril, je l'adore. Il est vraiment top. Il a une odeur. Bon, bah, le calendrier de l'humour de ma classe. En fait, tous les jours, ils vous cherchent une petite idée. T'as d'autres idées jusqu'au 24, voire 31, voire 7 janvier. Hein. Bah oui, il faut beaucoup d'idées. Allez, viens dire bonjour à tout le monde. Baisse-toi un peu quand même. Tu veux même pas parler, dire bonjour. Alors, arrête, on n'est pas à Halloween, on est à Noël. T'es content? Avec les cheveux. Tu veux du rouge à lèvres? On va lui mettre un peu de rouge à lèvres. Alors, on va te mettre de chez Kiko. On te met un shiny. Le même que le mien que j'ai. Ça te va? Sur ce genre de bouche, excusez-moi, vous avez la bouche trop siliconée, monsieur. Vous voulez un rouge pétasse pour bien? Bah trop tard. On fera le rouge pétasse autrement, d'accord? J'ai trouvé une autre idée pour le calendrier de l'humour. Voilà. T'envoies des bisous aux filles et aux garçons. Allez, à demain on dit. Tu dis à demain. See you later. Vous trouvez que moi je peux m'ennuyer? C'est impossible de m'ennuyer. Au revoir, merci pour le spectacle. Donc, j'adore le déo. Non mais, c'est pas possible d'être comme ça. Je comprends pas. Bref, moi j'adore le déo de chez Avril. D'une, parce que sur moi, il marche très bien. Il est bio. Il a l'extrait d'hibiscus rouge. Je vais pas m'en remettre. Et je crois qu'il est sans sulfate. Et il sent le bonbon acidulé. Vraiment, je l'aime trop. C'est 3 euros le déodorant bi. En plus, c'est moins cher qu'en grande surface. Et je l'aime plutôt bien. Il est un peu liquide. Mais bon, les déodorants de surface en bille sont aussi liquides. Donc, je m'en suis repris 2 parce que vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur. Pour le moment, 2, ça suffira. Et au pire, je repasserai une commande. Je vais aller monter le petit vlogmas que vous aurez eu très tard samedi. Celui-ci, vous l'aurez dimanche, pareil, pour 17h30. Je pense que demain, avec ma maman, on va normalement sur Isigny. Il nous manque 2-3 petites choses. Et je vais lui demander si on peut faire des petites photos Insta. Parce que j'en ai pas beaucoup pour Noël et ça m'embête un petit peu. Aussi, Clara. Ah oui, il faut que je vous montre. Attendez. Je vous emmène avec moi. On a été dans 40 ans. Et on s'est retrouvé devant le stand, enfin la boutique Gang of Pizza, en fait.
Et Clara, elle rigole déjà. Je peux te montrer. Et Clara, elle a... En fait, il y a plein de sapins de Noël dans 40 ans. Et Clara me dit devant Gog of Pizza, t'as vu le sapin, il y a plein de boules écrites à leur effigie. Et là, elle me dit, oh là, il y a un cadeau, c'est écrit le 9 dessus. Oui, bah, j'y le prends pas. Bah, elle me dit, si, je le prends, c'est écrit 9. C'est peut-être un calendrier de l'Avent. Et elle a ouvert. Et elle a eu. C'est en bas, mais il y a un porte-clés. Hein. Et est-ce que t'es contente de ton cadeau ? Très contente. Alors, elle, grosse bouffe qu'elle est, elle aurait préféré une pizza gratuite. Bah, mais j'ai retrouvé ma carte de salle. Bon, je vais descendre, je vais vous montrer ça, d'accord ? J'ai juste un truc à mettre au salle. On descend. Donc, Denise, toujours en action. On dit bonjour. Bonjour. Elle a fait une tartiflette. Donc, Clara, elle a gagné un porte-clés et un petit aimant. Notre objectif, c'est de retourner à Gang of Pizza demain. Donc, quand elle sort du travail, elle m'a dit, je vais passer par là et je vais m'arrêter. Non, et nous, pour un porte-clés et un aimant. Elle est persuadée que le 24, elle aura une pizza gratos. On verra. Ça m'étonnerait. Comment... Je vous ai dit, vous savez, hier, tout ce que ma mère, elle avait fait, ça, c'est moi. J'avais fait des petits cupcakes au citron. Et... Donc, maman avait fait des financiers, donc il y en a encore beaucoup. Les filles, elles ont été plus gourmandes sur le salé que le sucré. Et des sablés. Je vous ai dit, vous savez, les au chocolat et et nature. Et on en a mangé un ou deux en dégustation à Sainte-Mère. Elle me dit, oh, si, ils sont meilleurs à Sainte-Mère. Je dis, non, t'as rien envie à Sainte-Mère. As-tu gagné, maman ? J'y connais rien, mais je crois pas. J'avais gagné des sous parce que ma mère, elle a cru qu'elle avait gagné à l'euro million, mais on mangeait une tartiflette salade, donc comprenez-vous qu'on n'a pas gagné à l'euro million. Et donc, comme on avait gagné au bingo, j'en ai pris un à tout le monde. Alors, le 43, non, le 30, le 41, 73, 26, 22, le 15, le 75, le 14, le 85. Normalement, je pense que c'est mort. Le 8, le 23, le 11, le 67, le 13 et le 58. Eh bien, c'est mort. Nous ne serons pas millionnaires aujourd'hui. Bref, je vous laisse et on se retrouve un petit peu plus tard. Noël est revenu. Bonjour, ça, Urus. Urus. Bonjour, mon bébé. Oui, c'est le bébé. Oh, il est beau. Regardez-moi comme il est beau. Il est très gros, du coup, ça lui ira plus à Noël. Mais il est magnifique, ce bébé. C'est le bébé du Père Noël. Mon doudou. Bon, il est minuit moins 20. Moi, je vais vous laisser là, avec ma bibi. Bah oui, mon amour. Je vais vous laisser là pour ce vlogmas-là. On en reprend demain. Celui-ci, je vous le mettrai dimanche à midi. Comme ça, lundi, on reprend à 6h et on reprend les bonnes habitudes. Mes beaux-parents sont venus manger et ils nous ont apporté des petites meringues. Voilà ce qu'il reste des meringues. Franchement, elles sont excellentes. Trop bonnes. On a fait le menu de Noël, etc. Tout est prêt. On sait qui emmène quoi de nous trois. Donc, très, très bien. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vais me démaquiller et on se retrouve demain avec plein de petites choses également. Bisous tout le monde. Thank you.